À la rubrique présentation de projet de loi, Madame la députée de Gouin. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais souligner la présence parmi nous de l'AQDR, de l'AQRP, de la FADOC, de même que des comités de logement de Rosemont et de la Petite Patrie. Je vous demande, s'il vous plaît, d'appeler l'article A du feuilleton. Alors, à l'article A du feuilleton, Madame la députée de Gouin présente le projet de loi numéro 190, loi modifiant le Code civil afin de protéger les droits des locataires aînés. Madame la députée de Gouin. Merci, Monsieur le Président. C'est avec beaucoup de plaisir que je présente ce projet de loi qui modifie les conditions de la reprise de logement et de l'éviction prévues dans le Code civil afin de protéger les droits des aînés. Il oblige le locateur qui désire reprendre un logement ou évincer le locataire d'un logement occupé par un aîné à lui offrir un logement équivalent qui correspond à ses besoins et qui est situé dans la même municipalité pour les municipalités de moins de 100 000 habitants ou dans le même arrondissement pour les municipalités de 100 000 habitants et plus, lorsque la situation financière ou l'état de santé de cet aîné est précaire. Le projet de loi prévoit également une trêve hivernale qui empêche la reprise d'un logement occupé par un aîné ou l'éviction d'un aîné entre le 1er décembre et le 31 mars. Merci, Monsieur le Président.